wangam you change na loyal world premedicine. You guide me, you protected me, you lead me everywhere I go. Comme des enfants obéissants, les enfants obéissants qui écoutent le Seigneur Jésus-Christ, qui écoutent sa voix, les enfants obéissants, ce n'est pas les enfants orgueilleux et arrogants. Les vies que nous avons menées dans le passé qui ne glorifiaient pas Dieu, laissons sa vie et vivons la vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est saint, notre Dieu est saint, car il est écrit que notre Dieu est saint. Nous aussi, nous devons être saints. Nous ne devons pas vivre pour des choses vaines. Ne vivons pas pour des choses vaines. Il est écrit que notre Créateur est saint. Mais, puisque celui qui nous a appelé saint, notre Créateur qui nous a appelé, de venir à lui, de le adorer et finalement l'adorer au ciel est saint. Alors, toi et moi, soyons saints. Vous aussi, soyez saints. Dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit. Selon ce qu'il est écrit. Comme il est écrit, soyons saints dans toutes nos conduites. On nous force à vivre saint. Une journée, trois jours, toute la semaine, être saint. Tout le mois, deux mois, trois mois, quatre mois, soyons saints, un an saint. Jusqu'au jour où Jésus-Christ vienne, soyons saints. Mais malheureusement, toi qui m'écoutes, est-ce que tu arrives à être saint dans une journée? Le Seigneur Jésus m'a dit de demander tous sur la terre pendant 24 heures, est-ce que quelqu'un arrive à vivre saint, la vie de la sainteté? Est-ce que quelqu'un arrive à vivre la sainteté? Dans les 24 heures, il disait ceci, il était triste. Est-ce que nous arrivons à vivre saint? Réponds-moi. Réponds. Si tu n'arrives pas à vivre la vie de la sainteté dans 24 heures, 2 heures, 72 heures, 3 jours, est-ce que tu peux être saint? Une semaine, peux-tu être saint? Un an, 52 semaines, peux-tu être saint? Oh, personne ne peut pas être saint. Si tu ne peux pas être saint, sache-le que tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. Oh, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu ne peux pas être saint, sache-le que si tu ne peux pas être saint, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que notre Dieu est saint. Nous aussi, nous devons être saints. Le verset 17 dit, et si vous l'invoquez comme père, celui qui est juif selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia! Alléluia! Je vais te le relire. C'est triste. Verset 17. Si, et si vous l'invoquez, vous l'invoquez comme père, celui qui est juste, selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia, bien-aimé. Comme toi et moi, nous savons très bien que nous appelons notre Dieu. Oh, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Et nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Quand allons-nous aller au ciel? Sache-le que ton Dieu que tu appelles est un Dieu qui juge. Le grand juge, c'est un grand juge. Il est le juge suprême. C'est lui. Il est le juge suprême. Il ne voit pas acception de personne. Dieu t'a donné sa parole. Au travers d'un petit, et tu l'as rejeté, il va te rejeter toi aussi. Il ne regarde pas acception de personne. Il est comme ça. Tu peux faire l'œuvre de Dieu sans temps. Ça ne veut rien dire. Tu n'es pas encore au ciel. Tu peux faire l'œuvre de Jésus 1000 ans. Cela ne fait pas de toi que tu es au ciel. Il va te juger. Il va te juger des œuvres que tu as faites. Et toi et moi, notre jugement sera difficile, terrible. Si toi et moi, nous savons que nous avons un jugement terrible à venir, que Dieu ne voit l'acception de personne, notre Dieu ne voit pas l'acception de personne. Toi et moi, nous devons savoir qu'en tant que pèlerins sur cette terre, nous devons avoir la crainte. Craignons Dieu chaque jour jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Quand Uzza voulait toucher l'arche de l'Alliance, il était mort.
David, le roi David avait eu peur, il avait eu peur, il avait eu peur, il avait peur. Dieu tue aussi, Dieu tue aussi, et il donne aussi la vie. On doit le craindre. Ayons la crainte à nous, craignons Dieu. Si Dieu nous dit quelque chose, la Bible dit tout ce que Dieu va nous dire, que nous sachions que si cela est impossible pour nous, il ne va jamais nous le donner. Aucune charge ne viendra sur nous qui nous sera insupportable. Parce qu'il est juste, s'il nous donne une charge, il va nous donner les moyens par lesquels nous pouvons sortir. Alléluia, praise the Lord. Dieu nous a donné les moyens d'éradiquer le péché. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 12, Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom du puissant de Jésus. Hébreux 12, verset 14. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du puissant de Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Personne ne verra le Seigneur. Tu peux être bichon. Tu peux être trichop, fourchop, fatchop, le père des nations, quoi. Sans la sanctification, tu ne peux jamais voir ton Dieu. C'est une vérité incontournable. C'est une vérité incontournable. Père Jésus-Christ, c'est moi qui travaille avec le Père des Nations. Père Jésus-Christ, c'est moi qui conduis la voiture du Père des Nations. C'est moi qui s'en va prendre l'argent qu'on envoie. Cela ne regarde pas le Seigneur Jésus-Christ. Cela ne le regarde même pas. Cela ne le concerne même pas. Cela ne le concerne pas. Ce qui le concerne, c'est que tu cherches la paix avec tout le monde. Si cela vient de toi, sois en paix avec tout le monde. Sans cela, sans la sanctification, tu ne peux pas aller au ciel. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Bien-aimé, le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Vivons la vie de la sainteté pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, sans la sanctification, nous ne pouvons jamais voir notre Créateur. Peu importe la manière dont nous avons commencé, peu importe la manière dans laquelle nous progressons, mais la fin. Si à la fin tu as un petit péché en toi, tu ne peux jamais voir ton Sauveur. Ce qu'il veut de toi, c'est d'être saint pour lui. Sois saint pour lui. Ce qu'il demande de toi et moi, Matthieu 6, 33, de chercher premièrement le ciel et la justice. Mais aujourd'hui, on ne cherche pas le ciel et la justice. On cherche la femme. On cherche les hommes. On cherche le travail. On cherche les grands noms. On cherche des choses ignobles. On ne cherche plus le ciel. La Bible dit dans Matthieu 6, 19, 21, « Ne même pas amasser les trésors sur la terre, mais d'amasser les trésors dans le ciel. » Et si tu amasses les trésors au ciel et tu as les péchés à toi, tu ne peux jamais aller au ciel. La clé que toi et moi nous avons pour ouvrir la porte du ciel, c'est la sainteté, la justice, la vérité, la crainte de Dieu, l'amour, l'unité, le pardon, la justice, être droit, être fidèle. Si nous voyons Gédéon, vaillant héros, Gédéon, regarde comme il a fini. Salomon avait la sagesse, mais regarde comme il a fini. Regardez les gens dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé, mais qui ont mal terminé. Les gens aussi sont sur cette terre. Les gens de Dieu ont commencé, ils ont progressé vers leur fin. C'est l'enfer. Bien-aimé, je prie pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit quelque chose. Il m'a dit quelque chose. Il m'a parlé un français. Mon épouse Gabrielle, le père de la nation. Je te jure, ta fin sera mieux que ton commencement. J'ai dit un grand amen. Je te jure, que ta fin sera mieux que ton commencement. Alléluia, praise le Lord. Bien-aimé, pour m'arrêter ici, je prie que ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, que ma fin sera plus meilleure que mon commencement, que toi et moi, notre fin soit plus meilleure que notre commencement, afin que nous puissions donner gloire, honneur, puissance à notre Jésus-Christ. Alors écoute ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré. Le 8 avril 2017, le 8 avril 2017, nous nous sommes couchés. Avant de me coucher, nous devons nous réveiller le matin pour prier avec les gens qui sont venus de l'étranger. Nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir dans la prière. Alors nous avons programmé de nous coucher et à 2h nous allons nous réveiller. J'étais parti me coucher et après ma femme est venue me réveiller.
Elle avait mal au bras. C'était vers 12h. J'ai dit, mais pourquoi tu es venu me réveiller à 7h? Mais les 7 fois qu'on va passer la nuit, mais au lieu de vous coucher, vous parlez, vous baladez là-bas, vous chamez là-bas. Au lieu de parler du ciel, vous parlez de l'Europe, de tout ça, tout ça. Que tu as même des crèmes pour te masser. Je m'étais couché, je m'étais énervé. Et j'ai dit, hey, Choco. Elle dit, chérie Coco, elle me dit de ne pas l'appeler. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Elle me dit de ne pas l'appeler. Et je lui ai dit, oh, avant, si tu as eu peur, hein. Et la trompette va sonner. La Bible dit que deux personnes seront sur le même lit. Quelqu'un va partir, l'autre sera resté. Non, jamais. Nous tous sommes au ciel. Et j'ai dit, chérie Coco. Et elle m'a dit, avant que je te pardonne, amène-moi à la toilette. Et j'ai dit, allons à la toilette. Allons de retour de la toilette, tu vas me pardonner. Et elle m'a dit, oui. Et puis après, elle m'a pardonné. Je me suis couché. Quand je me suis couché, c'est vers les 23h. En allant dans le sommeil, en allant rentrer dans le soleil, quelqu'un est venu. Il est beau celui-là. Quand tu vois sa peau, c'est comme du beurre. Il est très beau. Ah, Dieu l'a créé. Dieu l'a créé. Il est très beau. Il a créé quelque chose derrière. Et il dit, Père des nations. Père des nations. Père des nations. Toi, avec ton Dieu qui te dit que tu es le Père des nations, aujourd'hui, moi, je vais te tuer. Toi, Gabriel, tu es en train de me déranger dans ce monde. Tu es en train de me déranger. Tu me déranges trop dans ce monde. Gabriel, tu me déranges trop. Je dois te tuer immédiatement afin que mon corps soit épaisé. J'ai pris le mensonge pour attraper tout le monde dans le monde entier. Toi, Gabriel, qu'est-ce que tu peux faire? Tu amènes maintenant la vérité pour ouvrir les yeux des gens. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis venu pour te tuer. Pour te tuer. Gabriel, je suis venu pour te tuer. Je suis là pour te tuer. Il avait sa main derrière lui. Mais je n'avais pas eu peur parce que je n'ai pas eu peur. Il m'a dit, mais sais-tu pas qu'il me reste un peu de temps? Je suis là pour te tuer. Pour te tuer. Je suis fatigué de toi. Avec toi et ton Dieu. Je suis fatigué. Je suis fatigué avec vous. Tout ce que moi je vais faire pour amener tout le monde en enfer, raison pour laquelle j'ai attrapé tout le monde dans le monde entier, il avait sa main derrière, il faisait du bruit. Mais j'ai un peu paniqué parce que quelque chose, je disais dans mon corps, Jésus m'a dit que je n'aurai pas des cercueils. Le cercueil et le tombeau, je disais ça dans mon cœur. Si tu as tué le Seigneur Jésus, tu vas me tuer. Il m'a dit, je vais te tuer, je vais te tuer, je dois te tuer. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu au juste? Me connais-tu? Me connais-tu? N'as-tu pas lu dans la Bible que dans 8, Jean 8, 44, que le père du mensonge, c'est moi le diable? Ne le sais-tu pas? Jean 8, 44. Ne sais-tu pas que je suis Satan, le père des mensonges? Et j'ai pris les mensonges pour attraper le monde entier. Le monde, c'est moi. Ne sais-tu pas que le monde, c'est moi? Et tu amènes la vérité pour ouvrir les yeux des gens. Demande Dieu. Dieu qui t'appelle père des nations. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a créé. Demande-le. Que c'est pas lui qui m'a créé. Je suis beau. J'étais beau. Je suis beau. C'est moi qui le chantais, qui l'a loué, qui l'adorait. Il était fier. J'ai vu que j'étais plus beau que tout le monde. Je sais que je suis plus beau. Plus beau que tout le monde. J'ai dit que je dois prendre son royaume, son siège. Mais, c'est lui qui a créé les anges. N'est-ce pas? Mais j'ai ramassé beaucoup d'anges sont pour moi aujourd'hui. Qui es-tu? Qui es-tu? J'ai ramassé beaucoup d'anges de Dieu et ils sont pour moi aujourd'hui. Et qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Que peux-tu faire? Dieu lui-même, c'était pas facile pour lui. J'ai vécu au ciel, c'était dur pour eux. Dieu lui-même, c'était difficile pour lui. J'ai ramassé les anges de Dieu et j'ai combattu. Lis l'Apocalypse 12. J'ai combattu au ciel. Avec Gabriel, l'ange Gabriel, c'était pas facile pour lui aussi. Quand on m'a renvoyé, j'étais venu sur cette terre, j'ai pris une décision, j'ai dit que tous ceux qui sont sur cette terre, personne n'ira au ciel. Combien de gens vont au ciel par jour? Combien? Combien? Immédiatement, on a commencé par me montrer comment est-ce qu'il a séduit les anges dans le ciel, comment est-ce qu'il a combattu, comment est-ce qu'il a eu la guerre au ciel. Il les a trompés, il les a ramassés pour combattre Dieu, qui vont combattre Dieu, renvoyer Dieu du ciel. J'ai vu tout. Je voyais l'image. Il était devant moi, la main derrière. Regarde, qu'il est écrit que malheur à la terre, malheur à la mer. Quand j'étais venu sur la terre, j'ai tout changé. Les serpents ne mordaient pas les gens. Les lions ne mordaient pas les gens. J'ai tout changé. J'ai tout changé.
Et tu veux blaguer avec moi, Satan? Je vais te tuer tout de suite. Je vais te tuer. Ceux qui disent qu'on va donner naissance aux justes, je les ai tués. Les prophètes, j'ai tué. D'être le juste. Même le juste là, quand il est venu pour mourir pour les pécheurs, regarde comment est-ce que je l'ai battu. On me montre les images. Moi, bien aimé, si vous avez vu comment est-ce qu'on a battu le Seigneur Jésus-Christ, la manière dont on a pris la hache pour le battre, je l'ai tué comme un chien. Je l'ai tué. Oui, je l'ai tué. Je savais qu'il était tué. Mais Dieu lui-même est venu, je l'ai battu, je l'ai tué. Et qui es-tu? Je vais te tuer, tu vas voir. Avant de te tuer, je vais te dire la vérité. Tu vas te tuer. Je vais te tuer. Allez au ciel, laissez-moi libre. Bientôt, je vais te séparer, toi, Isidore. Je vais appeler la confusion entre toi et Isidore. Je vais vous séparer. Je vais mettre dans la tête de Isidore, Président. C'est toi qui dois dominer Gabriel. Parce que moi, Satan, être grand, mais se soumettre, moi, je n'aime pas. Je vais vous séparer. Tous les gens que Dieu a amenés au ciel et l'enfer, maintenant, c'est moi qu'il adore. C'est moi qui les a séparés. Ils ne vont pas s'unir. Jamais. Moi, Satan. Ils ne vont pas s'unir. S'unir pour faire quoi? Ils vont sauver les âmes. Non, jamais. J'ai mis le mensonge à eux. Ils aiment le mensonge. Alors, je dois te tuer. Ils parlaient avec arrogance. Immédiatement, il a fait sortir quelque chose derrière pour me taper. Je ne savais pas. J'ai vu que le Seigneur Jésus est sorti de moi. La lumière l'a frappé. Il est tombé très loin. Il tremblait comme un poulet qui est à tête de la grippe aviaire. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, mets le pied sur sa tête. Détruis-le immédiatement. Écrase-le. Parce qu'il nous amène la confusion parmi nous. Casse sa tête. Détruis-le. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Et qu'il ne va pas jamais changer sa parole. Qu'il devait le tuer depuis. Mais qu'il veut lui montrer qu'il est Dieu. J'ai dit, Seigneur, non. Regarde tout ce qu'il a fait de faire. Que c'est lui qui a attrapé tout le monde sur la terre. Qu'il a attrapé tout le monde sur la terre. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, regarde comment il parle encore. Il est à moi, à genoux. Et il continue toujours à parler avec arrogance. Jésus.
pieds sur la terre. Une comme toi, Jésus. Une comme toi, Jésus. Tu es le roi. Le roi des rois. Tu es le roi. Le roi des rois. Jésus le roi. Le roi, oh, le roi des rois. Tu es le roi. Le roi des rois. Jésus le roi, oh, le roi des rois. Emmanuel le roi, oh, le roi des rois. J'ai t'offré Jésus ma vie. J'ai t'offré Jésus ma vie.